Montréal, 5 mois durant, saison de la neige. En moyenne, chaque année, 100 pousses de ces flocons qui recouvrent la ville et en paralysent la mécanique, l'organisation essentielle, la vie même. Paradoxe. Neige, ennemi public numéro 1. Si en peu de temps, un plan d'attaque précis n'est pas mis sur pied pour s'en débarrasser, la ville entière cessera de vivre. Chaque Montréalais ne sera plus qu'un individu privé de moyens, embourbé, enseveli, inutile. Circuler le moins possible dans la soirée. Alors, des voix s'élèvent, des ordres, des commandements en réseau serré. Les armes sont polies, les stratèges se mouchent, la bataille commence. Déneigement. Très bien, merci. La situation s'aggrave. Nous allons travailler toute la nuit. Voyez à ce que tout le monde soit à l'ouvrage. J'avertis les ingénieurs du district immédiatement. Surveillez surtout les pentes dans le centre de la ville. Très bien, monsieur. Comment va la circulation dans les côtes? Toutes les épandeuses sont-elles sorties? Très bien, gardez-les en marche. Merci. OK, on va. Toi, viens ici. Va-t'en, prends ton truck. Va-t'en haut, je peux donner. OK. Les aries au grind. Prends ton truck, va-t'en faire les blindes. Oui, les blindes. Oui. Les aniques, Chadon. Oui, bien. Aux boîtes. Prenez le camion, montez aux boîtes en haut. Tempête se terminant vers minuit. Très bien, merci. Avertissez tout le personnel d'être prêt sur le chargement suivant la cédule A. Amener l'outillage des autres districts dans le centre. Bon, tout de suite, monsieur. Thank you.
Dorchester à Saint-Antoine, très bien. Dorchester de l'université à Bishop, très bien. Les opérations ne progressent pas assez rapidement. Il faut déblayer le centre de la ville avant que le trafic du matin commence à circuler. Quelle est la cause du retard? C'est le stationnement des autos, monsieur. Cette équipe semble être en avant de son programme. Retirez-la de la rue Saint-Denis et amenez-la à ce point-ci. Oui, vous avez raison, c'est ce qu'on va faire. Ça va être juste, mais il faut finir. Nous allons certainement finir, monsieur. Pourquoi on ferme les livres jusqu'à la prochaine tempête, peut-être demain. Et puis on respire momentanément, à moins. La circulation indispensable reprend à son rythme normal. L'aventure n'a souvent duré que quelques heures. Bilan annuel moyen, 880 000 de lus déblayés, 60 millions de pieds cubes de neige enlevés. 2500 déneigeurs, dont 400 chauffeurs, 7 ans de 46 souffleuses, 188 camions chasse-neige, 4 autoniveleuses, 205 tracteurs de tout genre, 105 épandeurs, 1000 appareils loués, 5000 tonnes de cendres, 30 000 tonnes de sel, 40 000 tonnes de sable, des millions de dollars. Et puis, disons-le, l'ennemi se change parfois en ami. La neige, des silhouettes étranges la fréquentent, l'espèrent, la réclament. Hors du terrain de guerre, il n'est plus question que d'amitié et de respect. Ici, la neige, on la voudrait éternelle.